most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on s'en sent super bien et aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. Nous nous retrouvons enfin sur le Leclerc, 7 mois après. Et oui, ça fait un bail et il est grand temps de le finir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose pour cet épisode 14? Déjà, nous allons commencer par une petite visite du Leclerc, parce que ouais, pour certains, ça fait quand même un bail, même pour moi d'ailleurs, ça fait un bail. Du coup, il serait peut-être temps de se rappeler un petit peu tout ce qu'il y a, hein, tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui va pouvoir être modifié aussi peut-être hein, par la suite. Et en deuxième partie de vidéo, nous allons nous occuper de la décoration intérieure du Leclerc, donc pas les galeries marchandes ni le Leclerc en lui-même, mais plutôt le hall, les couloirs, les trucs comme ça. Voilà, on va essayer de les décorer un petit peu comme la porte que vous pouvez voir ici. Et du coup, on va s'atteler à ça pendant une vingtaine de minutes, je pense, la durée de l'épisode. Et puis voilà, c'est très cool. Je vous invite déjà dorénavant à mettre un petit like sur cette vidéo, à 250 likes les amis, 250 likes, je refais un épisode du Leclerc. Alors, c'est à vous de jouer maintenant pour un épisode 15, 250 likes. Et cette fois, ne vous inquiétez pas, je ferai cet épisode 15 sans rien pour m'arrêter en fait finalement. Voilà, on s'y met tout de suite, on s'attaque. Déjà, je vous fais la petite visite. Alors pour commencer, on va faire une vue d'ensemble. Alors, vous connaissez le Leclerc, mais vous connaissez aussi peut-être l'hôtel que j'avais pu réaliser il y a longtemps, ou fort longtemps, il y a au moins 2 ans, avec un ami à moi sur ma chaîne, qui a fait quand même déjà plus de 91 000 vues, un truc comme ça, ce qui est quand même assez énorme. Alors, je me rappelle que les avis étaient assez mitigés, parce que c'est vrai que bon, le build n'est pas très très ouf, mais bon voilà, ça remonte il y a quand même 2 ans, je me suis vachement amélioré, enfin je pense m'être vachement amélioré. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je refaisais cet hôtel, moi aussi, je le trouverais plutôt moche. Hein, voilà. Mais bon, on va pas le visiter parce que ça fait pas vraiment partie de la série. Je vais quand même vous montrer ici ce qui a été réalisé. Donc, c'est une station de lavage plus essence, qui est ma foi pas très jolie. Hein, mais bon, voilà, ça date aussi. Ici, nous avons le parking. Le parking qui lui aussi date. Hein, premier épisode et deuxième épisode ou avec Grim 516 pour ceux qui le connaissent, qui a d'ailleurs sa chaîne YouTube. Hein, je vous invite à aller vous abonner. D'ailleurs aussi, petite parenthèse, Théo 516, un très bon ami à moi, et je pense que vous le connaissez, vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Et je vous invite tous, les amis, tous ceux qui regardaient cette vidéo, à vous abonner à sa chaîne. Il va faire du Minecraft PVP et il va aussi faire des vidéos avec moi, je pense, d'ici peu. Il en a déjà fait 6, je crois, des vidéos. Et voilà, ça ferait super plaisir à Théo de savoir que vous vous abonneriez à sa chaîne. Voilà. Enfin bref, voilà, je vous mets le lien de la chaîne de Étienne et de Théo dans la description. Si vous pouvez vous abonner, c'est super, ça leur fera super plaisir. Nous, on continue. Alors, le parking qui a été réalisé durant le premier et deuxième épisode. Ensuite, évidemment, on s'attaque au gros, au magnifique, au Leclerc, tout simplement. Alors, à la base, on avait réalisé tout le contour du Leclerc en neige. D'ailleurs, ma foi, ça date un peu, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est plus trop joli pour moi, enfin, en tout cas. Après, c'est vrai que la porte avait déjà été refaite, du coup, je me pose la question de pourquoi on ferait pas de nouveau tout le tour. Je pense que ça me prendrait pas trop de temps. Je pense que je le ferai peut-être en hors caméra d'ici un futur épisode, ce serait bien. C'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est pas ouf, hein, c'est que de la neige qui entoure simplement le Leclerc. Comme vous pouvez voir, voilà, ça ressemble vachement au stade de foot pour ceux qui auraient vu. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu ça, on va rentrer. Ici, vous avez le hall d'entrée, qui, ma foi, est assez sympathique, j'aime bien. Ici, vous avez le sas qui vous permet d'entrer dans les galeries marchandes, voilà, qu'on va visiter une à une. La première galerie marchande qui a été réalisée, c'est celle-ci, c'est le fleuriste. Voilà, je vous montre. Avec un arbre qui a poussé au KLM. Ensuite, vous avez le marchand de poterie. Plutôt l'artisan. Voilà. Ici, vous avez une pharmacie. Qui, avec ses blocs de diams. Voilà, c'est pas très joli, hein, mais bon,
On va essayer de refaire un petit peu hors caméra, je pense avec Étienne, certains endroits du Leclerc pour que ça soit un petit peu plus joli. Ici donc vous avez plus ou moins des produits de pharmacie, hein, on a mis des potions, logique. Ici vous avez le coiffeur qui est ma foi plutôt bien réalisé, lui encore ça va. Ici vous avez de quoi vous faire couper les cheveux. Voilà, vous vous installez, hop, tranquillement, et vous faites coiffer devant ce miroir. Ici vous avez la lumière qui est un petit système Redstone qui a été réalisé par Étienne qui permet d'éteindre ces lumières-là. Hop. Et ce bouton-là qui permet d'éteindre celle du haut. Voilà. Merci à Étienne. Sympa. Ensuite on sort, on va en face. Nous avons un magasin de vêtements qui a été réalisé bien évidemment avec des armures. Hein, logique. Des armures de différents composants. Ensuite, juste à côté, vous avez un magasin d'électroménager, alors avec des télévisions, des smartphones, et ici vous avez la caisse, et ici vous avez une machine à café ou je sais plus quoi, enfin ça date, hein. C'est vrai que c'est peut-être moins bien réalisé que ce qu'on peut faire maintenant avec la 1.10 et tout, et faudrait que je voie si je peux d'ailleurs passer le serveur en 1.10 pour avoir de nouveaux matériaux, ce serait peut-être mieux, ce serait sympa. Si vous avez une sorte de petite Oula. De petite bijouterie que nous allons modifier tout à l'heure, hein. Ma foi, elle est plus trop énorme, si je puis me permettre. Donc, il y a des blocs un petit peu plus sympathiques. Regardez déjà rien que si je pouvais mettre des blocs et tout. Enfin, de ce type, ce serait déjà plus joli que juste du bois de chêne. Hein. Faut pas oublier que le Leclerc a été réalisé dans la première version en 1.5.2, je crois. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait loin, ça fait loin. Ici, vous avez l'espace culturel. Alors, vous avez ici des bouquins, des tables d'enchant, enfin voilà, des livres, beaucoup, beaucoup de livres. Ici, vous avez la caisse avec Jean-Claude et Jean-Hubert. Bonjour les gars, salut. Ici, vous avez la console que vous pouvez tester dans chaque magasin. Et ici, vous avez des jeux vidéo à volonté. On va revenir au Leclerc, hein, tout de suite après. On va d'abord finir les galeries. Ici, vous avez l'agence de voyage. L'agence de voyage Leclerc qui ressemble pas mal, hein, à la véritable dans mon Leclerc du coin. Au niveau des couleurs, en tout cas, ça ressemble plus ou moins à ça avec des tableaux un petit peu affichés partout, des paysages, etc. Voilà, ça va, ça me convient. C'est pas trop dégueulasse. Ici, vous avez un Micromania. Hein, vous voyez déjà les blocs, c'est plus les mêmes. Bah, voilà, c'est de la clé et du marbre, voilà, c'est vrai, des tapis, enfin ça se voit que on a évolué un petit peu. C'est vrai que si vous faites le tour des galeries, vous voyez qu'on évolue au fur et à mesure qu'on avance dans les galeries, quoi, quand même. Ici, il n'y a rien encore, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Ici, vous avez le café noir, avec quelques. Voilà, toi, tu fais quoi, hein, mouton rose? C'est quoi ces conneries? Hein? Bye bye! Hop! Voilà, merci. Qui continue en fait derrière avec une petite cuisine. Ok. Troll. Voilà, histoire de faire chauffer des choses ou préparer des petits repas, des petits trucs sympathiques. Voilà. Et on retourne au début. Voilà, on a fait le tour des galeries marchandes. Maintenant, on va faire le tour du Leclerc. Et ensuite, nous attaquerons à ce que j'ai prévu. Ici, vous avez des caisses qui sont, ma foi, toutes identiques, qui sont plutôt sympas, ça va, c'est assez ressemblant à la réalité aussi, donc c'est cool. Voilà. Je fais le tour. Avec les portiques, hein, bien sûr, pour éviter les voleurs. Et ici, vous avez, ok, de l'orage. On va faire juste un petit time 7-0, 2 petites secondes. Je crois que j'ai Waverclear aussi, voilà. Vous avez les rayons qui, ma foi, sont sympathiques, avec du relief, c'est ce qu'on aime. Voilà. Ils sont pas tous remplis, il y en a quand même qui sont remplis, genre les premiers sont remplis avec de la nourriture. Voilà. Et pour le reste de place qu'il y a des deux côtés, je pensais. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Pour l'instant, je sais pas encore. Et là, je me souviens même plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est des écrans, des choses comme ça, je sais plus. Voilà. Eh bien écoutez les amis, une fois qu'on a fait le tour, donc c'est bon, je vous retrouve dans un instant, je prends quelques matériels et on se retrouve
pour la construction de la décoration du Leclerc. Allez, et voilà les amis, je suis de retour. J'ai préparé un petit peu de matériel pour commencer à décorer le hall. Et j'ai pris la hache de World Edit pour nous aider. Alors, on va commencer ici. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais casser ici. Voilà, je vais mettre ça là. Ici, je voulais mettre un petit truc comme ça. Voilà, et ici, on pourrait continuer ça. Hop, voilà, on va mettre un petit peu déjà de stone brick pour commencer. Voilà, là c'est sympa. Ici, je comptais faire une sorte de petite allée mélangée avec alors des escaliers de stone brick et de la unstone. La unstone qui ressemble du coup à la sandstone que je casse actuellement. Donc ça va passer plutôt bien, je pense. D'abord ici, on va faire une petite transition avec de la stone brick. Ça passe mieux. Ici la porte n'est pas centrée, donc on va la centrer pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ici je m'occupe de mettre du coup des escaliers. Voilà. Des deux côtés. Et je place la roche de limbe, donc la unstone pour ceux qui aiment bien en anglais. Voilà, donc ça fait une sorte de petite allée assez sympathique, mais on va pas s'arrêter là, on va continuer. Ici, on va la faire continuer de 3 par là. Donc ce sera peut-être même plus simple que je le fasse à la hache de World Edit pour l'autre côté, parce que bon, c'est vrai que là, à force de casser comme ça, c'est un peu long, hein, on va pas se cacher. On va continuer jusque là, on va faire la même chose. On va casser du coup celui-là pour relier. Hop. Et on va de nouveau remettre des escaliers en stone brick des deux côtés. Oups, désolé. Salut, non, je veux pas du blé. Voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, j'ai dit que je le faisais à la hache de World Edit. On va se caler bien. Voilà, ici. Faire slash slash cut, voilà, c'est parfait. On va venir sélectionner ici et ici, et on va regarder l'idée du bloc qui est donc 121. On va faire slash slash 7 121, voilà, c'est parfait. Et pour les escaliers, par contre, je suis obligé de les poser à la main, sinon ça fait vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant, d'escalier, mais plutôt en parlant de la lampe que je viens de casser. Faut que je change tout l'éclairage avec des lanternes de mer, qui est quand même plus sympa que la, ça voilà, hein, la lampe de redstone qui est vraiment dégueulasse, en tout cas avec ce pack de texture. Je vais mettre d'ailleurs, en parlant de ça, une petite croix ici de lumière, et je vais prendre des tapis de couleur grise, si je les trouve, voilà, gris. Que je vais venir mettre ici, voilà. Pour l'instant ça va, j'aime bien. Je vais continuer avec des tapis ici, voilà, des deux côtés. Du coup je fais ça partout. Ça va me prendre un tout petit peu de temps les amis. Si en plus j'arrive pas à les poser, ça risque d'être compliqué. Voilà, nickel. Ah, je peux déjà vous dire que moi je préfère comme ça, hein, honnêtement. Ici, je propose de venir faire une sorte de diagonale avec des stone slabs qui rendra un effet assez sympa, ma foi. Ça va toi au calme? Voilà, ça j'aime bien. Je trouve que ça fait assez sympathique. On va continuer en mettant des pierres ciselées ici et ici. Ici et ici. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça fait vu de haut déjà. Je trouve ça un petit peu plus joli. Ici on va aussi en mettre une d'ailleurs. Hop. Et
sur le tour, je pense qu'on va mettre ça comme ça va être sympa. Voilà, ici on va faire la même chose avec ça, hop, et voilà. Je pense que déjà pour le sol, dans le hall, on est pas mal. On va maintenant s'occuper des magasins. Alors ici, on va essayer que ça soit symétrique par rapport à l'autre côté au niveau du quartz. Donc ici vous avez 4, ici vous avez 4. Et on va essayer de décorer ça assez sympathique. Alors on va mettre des escaliers, je pense. Ouais, des escaliers comme ça et comme ça va être pas mal. On va aller chercher des barrières de chêne noir qu'on va venir mettre entre les escaliers des deux côtés. Ici je l'ai pas encore fait, je vais mettre les escaliers juste après. Voilà, c'est parfait. Comme ça et comme ça, donc ça donne un petit effet de profondeur au mur, c'est ce qu'on aime bien. Ici, je pensais mettre de la stone brick à la place du quartz. Hop. Comme ça, voilà. Qu'on va venir mélanger avec des escaliers. Comme ça. Hop, hop. Mais arrête de passer devant moi, toi, tu vas te calmer. Voilà. Comme ça donne un petit effet, ça c'est sympa. Ça donne encore une fois un effet de profondeur. Et ça, franchement, je trouve ça cool. Ouais. Tu vas venir te poser là, hop, on te met là, comme ça. Ensuite, on continue, on remet de la stone brick, encore une fois. Et enfin, je pensais que derrière, on pourrait mettre autre chose que du quartz pur. On pourrait mettre un mélange de quartz ciselé avec du bois de chêne noir. Tiens, ça peut être sympa. Hop, on va venir le récupérer. Oula, petit lag. J'espère que ça va passer. Sinon, bah, je redémarrerai mon MC, c'est pas grave. Ici, on va venir faire ça. Ici, on va venir faire ça. Voilà. Ensuite, on va alterner ici, ici, voilà, comme ça. C'est sympa. Hop. Du coup, là, j'ai quelques petits lags. Je suis vraiment désolé. Je pense que je vais redémarrer l'enregistrement juste après que j'ai fini ça. Et je pense que ça ira mieux juste après. Je finis juste ça, voilà, des deux côtés. Hop. Et je relance l'enregistrement. Voilà, sur ce, les amis, je vous montre ce que ça donne et je reviens. Allez, à tout de suite. Et voilà, re les amis, je suis de retour. J'ai du coup coupé l'enregistrement et relancé. Et je pense que ça va mieux. Voilà, ça a l'air d'aller mieux, beaucoup mieux. J'en ai profité pour regarder que ça faisait déjà 17 minutes qu'on filmait. Et je pense qu'on va finir le hall d'entrée et on va se laisser là. Et je pense qu'on reviendra du coup très bientôt aux 250 likes, les amis. Je vous fais un épisode 15. Donc n'hésitez pas directement à mettre un like si vous voulez un futur épisode. Et en attendant, bah voilà, on continue. Alors. Ici, je pensais qu'on pourrait faire un truc assez sympa du style ça. On va prendre des stone slabs que j'ai plus. Ok, je les ai jetés comme un con. Je les reprends. Voilà, comme ceci. Ça pourrait être sympa. Et au milieu, on pourrait mettre un truc du style comme ça. Avec un truc comme ça. Voilà, ça j'aime. Ah, c'est pas centré. C'est pas centré, les amis, ça peut pas le faire. Ah, quoique si, c'est centré. Mais en fait, c'est ça qui est pas centré. Aïe, aïe, aïe. Ok, les amis, on va faire une petite opération. On va prendre ici, on va tout décaler. J'avais pas vu que c'était pas centré, malheureusement. Hop. Du coup, on remet, c'est pas grave. Hop, ici, on met ça. Ici, l'escalier. On décale tout. On va casser tout d'un coup, hein. Ça sera plus rapide. Je casse aussi les barrières qui sont du coup forcément pas au bon endroit. Non, c'est ça. Ici, on remet les escaliers comme ça. Ici, on met deux de hauteur en stone brick. Ici, on remet les escaliers. Et enfin, on remet de la stone brick. Ici, c'est pareil. On va décaler. Hop, hop. Ici, on casse. On va remettre du quartz. Donc, on va faire ça.
comme ceci, ici un quartz, ici deux comme ça. Oula, non, ok, c'est bon, j'ai rien cassé. Ici c'est, non, ici c'est un truc comme ça, du bois, et on remet les escaliers en bas. Voilà, je reprends les barrières qui sont ici, je vais les sélectionner, je vais pas me faire chier à les chercher. On remet les barrières, et voilà, le tour est joué, on a rien vu, c'est décalé, c'est parfait. On pourrait continuer du coup ici en mettant des petites stone slabs. J'ai vu qu'il faisait nuit, on va mettre le jour. Oula, petite faute, bien espace. Vous n'avez pas la permission, très bien, ouvrir le LAN, activer les commandes de triche et on recommence l'opération. Voilà, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je réfléchis deux petites secondes. Ouais, j'ai une petite idée, on pourrait mettre ici, alors on va prendre des bannières de couleur gris acier. Et on va venir les coller ici. Voilà. C'est bien, j'aime bien. Ici on va reboucher tout de suite. Voilà, on va reboucher, ni vu ni connu. Et on va venir décorer du coup ces deux murs, celui-là et celui-là. Pour ça, moi je propose déjà de mettre du bois comme ça des deux côtés. Plus au milieu. On va venir prendre les stone slabs encore une fois. Je vais les prendre au sol, ça sera plus rapide. On va venir les mettre, voilà, comme ceci. En haut, je pense qu'on va remettre des escaliers. Sens inverse, comme ça, comme ça. On va laisser comme ça cette fois-ci. On va juste faire ça, 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 ça. Pareil ici. Ici, j'aimerais bien continuer du coup. En mettant la même chose. Voilà. De l'autre côté on va faire pareil. Sauf qu'on peut pas. Si on peut continuer si je casse ça. Ouais c'est bon. Jusque là il y a exactement pareil. C'est symétrique. Ici je vais continuer les escaliers. Essayer de bien les placer. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. D'ailleurs on va refermer avec du bois. Comme ça. À tous les coins en fait on va mettre du bois. Ici c'est un coin mais on va le compter, on va le compter, on va décaler en fait ici. Et c'est ici qu'on va remettre du quartz. Voilà. Et ici il y en a un autre de coin. Du coup on met encore du bois. On fait pareil de l'autre côté, on va mettre les escaliers. Alors ici ça va être. Oula, je l'ai placé un trop haut. Ouais, c'est ça. Ici ça va être un petit peu plus compliqué, je vais devoir remettre les lianes au passage. Hop. Hop. Ça va être galère. Voilà. Et ici, ça peut pas continuer. On va faire genre que ça va continuer. Mais on va pas remettre. Voilà. Ici, on va remettre du bois. C'est où le coin? C'est là. Voilà. On va faire comme ça. Ni vu ni connu, on va remettre de la végétation. On va tailler un petit peu cet arbre. Voilà. Comme ça, ça me paraît bien. Voilà. Là, il est bien. Il est taillé. Ici, entre chaque chose, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bannières. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. On va revenir en arrière. Ici, on va remettre des demi-dalles. Voilà. Ici, dans le fond, on peut mettre ça. Ma foi, je pense que ça passe. Hop, on remet. Au milieu, bonne question, qu'est-ce que nous allons mettre? J'ai peut-être une idée, on va prendre ça et de la stone brick. Et on va tout simplement alterner comme ceci. Voilà, c'est pas mal, ça passe. On va faire la même chose de l'autre côté. On a des demi-dalles ici, on les rajoute. Hop, ici on ferme. Et voilà. On va remettre quand même quelques petites branches, voilà, comme ça, ni vu ni connu. Non, on va relisser celle-là. Et voilà. Eh bien écoutez, déjà c'est beaucoup mieux. Si vous avez des idées de choses que je pourrais rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, moi je vais réfléchir aussi de mon côté. Si du coup il y a des modifications la prochaine fois, bah, c'est que j'aurai modifié. Sinon, bah j'attendrai vos retours. Et voilà. Sur ce, moi les amis, je pense que je vais vous laisser. On s'attaquera à la suite la prochaine fois parce que ça fait quand même déjà plus de 20 minutes que je tourne.
je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Théo516 que j'ai mis au début en... Enfin, je vous ai fait un petit message au début. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Le lien de sa chaîne est dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, ciao ciao!